Et joyeux Noël tout le monde, et puis joyeuses fêtes de fin d'année en général, hein, parce que je pense pas que je referai surface avant 2017. Alors oui, je n'ai pas de bonnet de Noël, je n'ai pas de décoration, c'est pas grave, c'est triste, on va faire avec, mais si vous voulez, regardez, allez, rien que pour vous faire plaisir, je rajoute un petit Père Noël ici. C'est bon, ça vous va? Oh, il neige. Bon allez sérieusement, si je fais cette vidéo, c'est parce que quand je suis parti à Paris, il y a mon copilote, Sofiane, qui a fait le voyage tout le temps avec moi, que ce soit à l'aller ou au retour. Alors c'était le genre de mec à tout prévoir. Hein. Je l'avais dit dans le vlog, il prévoyait tous les sujets de conversation, et vas-y que je t'achète des pains au chocolat le matin pour qu'on déjeune sur une aire d'autoroute. Plein de trucs. Voilà, donc. Pour ça, Sofiane, tu as été au top et je te remercie. Mais le pire du pire, c'est que même avant de partir, le gars il me dit, tiens, kichnifou, voilà, je t'offre ça. Alors, pas le sac, hein, pas Zara, ce qu'il y a dedans, on est d'accord? Et alors, dedans, il y a deux choses que je sais déjà, parce que c'est déballé et qu'il me l'avait montré, il m'a dit qu'il me le donnerait. Et il y a deux autres choses qui sont emballées. Et je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, t'es un gros dingue, Sofiane. Vraiment. Vraiment, t'es un gros dingue. Et là, bah, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo spéciale Noël où je vais déballer mes cadeaux, hein, finalement. Oui, je suis tout seul comme ça. Mais en fait, non, puisque vous êtes là, n'est-ce pas? Bon, alors vous, je pense que vous avez déjà dû avoir vos cadeaux. Parce que je vais essayer de sortir cette vidéo le 24 à minuit. On verra bien comment ça va se passer. En tout cas, voilà, bah moi je vais déballer mes cadeaux. Et le premier, alors lui, je sais ce que c'est. C'est un poster de Star Wars 7, il me semble. Oh, allez, je le découvre en même temps que vous. Et il est pas sympa. Bon là, un petit peu plié, c'est normal, mais je pense que si jamais je l'affiche quelque part, que je le tends bien, ça pourrait donner quelque chose de classe, non? Eh, le Kishni. Avec l'affiche de Star Wars 7 à côté, eh, c'est pas cool ça. Franchement, merci beaucoup à toi, Sofiane. Je sais pas si je vais pouvoir le mettre là en attendant, vu que je vais changer d'appartement bientôt. Peut-être que je le mettrai justement dans le nouvel appart. Enfin, mais en tout cas, je vais bien le conserver. Oh, bah, c'est déjà un beau cadeau, parce que franchement, je n'avais aucune affiche. Donc déjà, je te remercie. Ensuite, alors, on va mettre le sac juste là. Voilà. Et on va sortir la deuxième chose dont j'étais déjà au courant. Alors encore une fois, c'est un fou, hein, parce qu'il m'a offert Star Wars Battlefront 2. Et on va l'essayer. Oui, t'en fais pas, on l'essayera. Bon, en tout cas, il m'en a dit des choses sur ce jeu. Il m'a dit qu'il était génial, donc vous pouvez me confirmer ça. Hein. Que, je sais pas, il était ultra complet, super bien fait pour l'époque. Et que, bah, du coup... Pour lui, il dépassait largement le Battlefront qui était, enfin, qui est sorti l'année dernière. Et moi, je pense que je peux comprendre. Si tu as une campagne solo, si tu as vraiment beaucoup de choses à faire, si tu peux incarner ce que tu veux, si c'est fidèle à la saga et tout ça. Ouais. Je veux bien estimer que ce soit un jeu qui a énormément plu aux fans. Et ne t'en fais pas, je découvrirai ça en temps voulu. Ensuite, alors là, énorme découverte. Alors, qu'est-ce que je vais prendre en premier? Qu'est-ce qui me tente le plus? Allez, allez, ça. Ok, les trucs qui se cassent la gueule. Il faudrait pas que ce soit fragile, hein, parce que sinon, on est dans la merde. Alors, premier, voilà, qui vient de jouer club apparemment. Moi, je table sur... Une figurine? Mais si c'est ça, déjà, t'es un gros malade. Ou je sais pas. Je sais pas ce que ça peut être. Si, peut-être une figurine, je sais pas. Non, mais franchement, là, vous voyez ouvrir des cadeaux. Mais dites-vous, le mec, je lui ai rien demandé. Et il me donne ça. Moi, limite, je suis mal à l'aise, moi, d'ouvrir tes cadeaux. Moi, je t'ai rien offert. Enfin. Je sais pas, moi je suis franchement mal à l'aise hein, quand même hein, d'ouvrir ces cadeaux-là. Donc, enfin, mais quoi que ce soit, je serais pas déçu quoi, parce que putain, le mec il fait un cadeau sans que je lui demande.
Déjà que moi, je demande jamais des cadeaux, mais sur mon offre, sans même que j'en demande. Bon, allez, on va essayer d'ouvrir ça un peu proprement, mais on va essayer de baisser la caméra, comme ça vous allez voir. Voilà. Voilà. Hop. On va essayer. Oh, alors, attendez, attendez, attendez. Ouh là là, je crois avoir distingué ce que ça peut être. Oh, mais c'est un gros dingue. C'est un gros malade. Tu es un gros malade. Oh là là, un mug. Alors, est-ce qu'il va être beau ce mug? Bon, je suis désolé, je détruis complètement ton paquet cadeau, mais en même temps, c'est fait pour, non? Alors, toute une armée. Oh, de Storm de l'épisode 7. Yeah. Alors, peut-être qu'il y a d'autres motifs autour. Il faudrait que je puisse l'ouvrir. Sans péter la boîte, ce serait cool. Hop là. Voilà. Alors on va sortir ça. Et mais t'es un gros fou, mais malade mental, mec. Mais t'es un malade. Putain. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le mec, il m'offre un mug. Tiens, et sur le dernier là, il a l'épaulette. Et les autres, ils l'ont pas. Il me semble que dans une armée comme ça, celui qui a l'épaulette, c'est pas celui qui est un peu le dirigeant du groupe, non? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, ben écoute. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci, évidemment, merci, mais moi, ça me tue mal à l'aise, moi. Il est fou, ce mec. Eh mais t'es dingue. Mais ça me fait super plaisir, franchement. Je sais déjà où est-ce que je vais la mettre, tu vois. Tu vois, je vais même pas l'utiliser, quoi. C'est une pièce de collection, tu vois. Franchement, bah, merci. Merci vraiment. Merci. Et le pire, c'est qu'on n'a pas fini, quoi. Il y en a un deuxième. Et qui, lui, alors il me fait peur parce que. Oh, mais non, mais il a fait ça? Ah, mais attends, mais j'avais pas vu. Mais attends. Mais tu m'as donné ton. Tu m'as donné ton masque? Mais il est malade! Vous savez, le masque du vlog. Mais non! Bah, je suis obligé de le mettre. C'est pas possible. Non, Kishni. Non, Kishni, tu peux pas passer du côté obscur. Non! Non! Tu peux pas! Ben, je crois. Oh non, attends, ça rentre pas. J'ai une trop grosse tête. Attends. Ça rentre pas! Oh non! Mais toi, t'avais une toute petite tête. J'enlève les lunettes, non? Eh, mais j'ai vraiment. J'ai une tête aussi géante que ça? Ah là là! Oh! Attends, y a pas de. J'ai pas de sabre laser autour de moi là? Ouais, bon, il est pas rouge, hein! Attendez! Attendez! Il faut que je trouve un truc. Ah, attendez, j'ai une idée. Ah putain, j'y vois que dalle avec ça. En plus, ça m'écrase le nez, c'est horrible! Bon, je sais, le Dark Vador, il a pas vraiment une voix badass, mais. Oh putain, j'ai le nez qui est. Alors attends. Attends, faut que je trouve ça. Allez. Voilà. Oh putain, oh, ça me fait mal, ça me nique le nez. Est-ce que vous êtes prêts à voir Dark Vador? Regardez, je vous fais le Dark Vador dans. Non, je dis rien. Parce que sinon, je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Attention! Mais. Ah, voilà. Il fait le bruit. Waouh! Eh, hey, dites-moi. Ah, oh, putain, ça me nique. Dites-moi que vous y croyez quand même. Attendez, faut finir. Voilà, ça c'est cool. Non mais écoute, j'y croyais pas. Non mais attends, tu m'as mis ton masque. Mais c'est génial. Il m'écrase le nez. Il va falloir que je dénoue les nœuds, que je le tende un peu plus parce que. Waouh! Mais écoute, bah. Il l'a fait tout seul, hein, le mec. Il a coupé un carton, il a collé des images, il a pris un lacet de chaussures. Eh mais homemade le truc. Franchement, bah. Encore une fois, merci. Et on va peut-être arriver, du coup, au fameux truc. Alors là, ça me fait peur. Là, ça me fait extrêmement peur. Parce que le mec, il m'a acheté un truc à la Fnac.
Placement de produit. Non mais qu'est-ce que ça pèse? En plus c'est gros et ça pèse cette merde. Mais qu'est-ce qui peut être un livre? Non, ça m'a pas l'air d'être un livre. Non. Une boîte, mais une boîte de quoi? Une boîte de jeu? Non, mais arrête tes conneries. Non. Une boîte de fiches. Bon. Bah, au lieu de me poser des questions, hein. Kishni, ouvre-le! On veut voir! Oui, bah, attendez. Mais t'es un dingue! Mais j'ose même pas l'ouvrir! Enfin, je tremble, quoi. C'est inhumain de me faire ça! Moi, je demande rien! Bon. Je vais. J'aimerais bien l'ouvrir normal, quoi. Ah, en tout cas, ça. Putain. Allez! Il l'a bien emballé, hein. Il l'a bien emballé. Je veux pas trop voir ce que c'est. Peut-être que vous voyez déjà ce que c'est. Je ne regarde pas. Allez. Allez! Et c'est. D'accord. Je vois pas. Oh, attends. Attends. Qu'est-ce que c'est, ça? Star Wars, le quiz! Mais énorme! Oh mais oui, mais c'est exactement ça qu'il faut! Mais il est fou. Mais tu sais combien ça coûte, ça? Mais les trucs de jeu comme ça, ça coûte genre mais une trentaine d'euros, ces machins, mais... T'es un malade? Il est malade? Mais t'es un grand malade! Non mais franchement, je sais pas où me mettre. Ah. Eh mais tu sais quoi? Ça me donne une idée, moi. Je vous donne pas l'idée, mais ça me donne une idée. Ouais, je sais, je suis un petit peu mesquin, mais... Oh. Yeah. Ton truc, il va me servir. Je vais pas l'ouvrir maintenant, parce qu'il va me servir. Ok. Allez. Oh là là, mais... Bah, écoute. Voilà ce qu'on a. On a ça. Le quiz Star Wars, le jeu Star Wars Battlefront 2, le poster, le mug. Non mais... Tu es un gros dingue. Écoute, je ne sais pas comment te remercier, je ne sais même pas comment réagir à ça, c'est... Merci. Tu m'as presque offert plus de trucs que j'ai actuellement dans ma collection. Hein. Donc là, tu viens de m'offrir le double. Non mais c'est vrai quoi, c'est... Mais truc de fou. Bah merci. Merci Sofiane. C'est super gentil de ta part. Moi je demande rien, j'ai juste demandé un moment dans le calendrier de l'avance si vous seriez prêt pour faire un Tipeee ou un truc comme ça, mais bon, après j'ai vite trouvé l'idée peu intéressante, surtout en ce moment. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas hyper nombreux à me suivre, vous dites tous que vous aimez bien mes vidéos comme ça, donc moi déjà ça me fait plaisir et... Voilà, pourquoi demander plus, en tout cas pour le moment, quoi. Donc, c'est très bien. Et là, et ben voilà, on m'offre des trucs comme ça, voilà. Attendez, mais je suis sûr que même ça et ça réunis, ça dépasse la cinquantaine d'euros. Pff, t'es un malade, t'es vraiment malade. Malade. Bon, ben, encore une fois, merci Sofiane. Merci copilote. Bon, et pour finir, j'avais pensé à un petit truc, encore un petit déballage. Je vous le ramène... Et puis, on regarde ça ensemble. Vous l'avez oublié, celui-là? Ah, décidément, vous n'avez pas fini de le voir. Hein. Pour la petite histoire, quand j'ai ramené Timothée et Vorlex chez eux, eh ben, je leur ai offert un chocolat du calendrier parce que je l'avais emmené. Et donc, c'était plutôt cool. Même à Sofiane, même à toi, Sofiane, oui, je t'en ai donné même deux. Deux, du coup, parce que tu as été courageux de m'accompagner jusqu'au bout. Et donc, du coup, je n'ai pas ouvert jusque-là, mais comme on est le 24, eh ben, je vais ouvrir tout le reste et on va voir les chocolats qui me manquaient d'avoir. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté? Je crois qu'on s'était arrêté au 21, il me semble. Non, il y a le 20 encore. Alors, le 10... Ah, il y a le 19, ben, le 18. Ok, on s'était arrêté au 18. Donc allez, on va voir un petit peu tous les chocolats qu'il va y avoir. Mais je ne boufferai pas tout. Hein. Non, je ne sais même pas si j'en boufferai un. Non, attendez. Alors, le 19, dans le 19, on aurait eu C3PO. Yeah. Bon, où est-ce que je vais les foutre? Allez, je vais les foutre là. Le numéro 20. Allez, on dit quoi? On dit Yoda?
Non, je crois que Yoda, on l'avait déjà eu deux fois. Mais bon, tant pis. Yoda. Oh là 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 là. Pff. Bon, pour le moment, pas mal. 21. 21, 21, 21. Allez, un X-Wing. Un X-Wing. Regardez avant moi. C'est quoi? Hein? Ah, c'est Faucon Millenium. Bon, Faucon Millenium. 22, 22, te voilà. 22. L'étoile de la mort. Oh! Eh mais, comment je fais? Comment je fais? 23. Et attendez, et après il ne restera plus que le 24. Alors 23, je vois bien un petit. Un petit Dark Vador. Allez, un petit Dark Vador. Peut-être qu'il sera pour le 24, mais bon, allez. C'est pas grave, je dis Dark Vador. Allez, bouge-toi. Oh, Stormtrooper. Un Stormtrooper. Et du coup, bah, pour le dernier, ben, là, on va dire Dark Vador. Allez, on va dire Dark Vador. Regardez, c'est la 24e case. Les fameux double volets. Attention. Attention. Qui avons-nous? Oh. La sagesse. Yoda. Allez, mise au point. Montre Yoda. Voilà. Eh ben toi, je vais te bouffer. Voilà. Pour la peine. Bon, et puis les autres, eh ben, je peux vous les envoyer par fax, hein, si vous voulez. Ou alors je vais les garder dans ma collection. Mais je crois que bientôt ils vont fondre. Bon, allez, fini les conneries. Merci encore à toi, Sofiane. Merci énormément. Merci aussi bah, du coup à tous ceux qui m'ont accompagné à Paris, qui étaient là. C'était cool, je vous remercierai jamais assez. Et bah, merci à vous tous hein, pour cette année formidable, j'ai envie de dire. Ouais, c'était vraiment une super année. Et je suis pressé d'enchaîner sur la prochaine. J'ai de quoi faire en tout cas. Et puis on sait ce qu'il y a au bout. Star Wars 8, n'est-ce pas? Bon, allez, eh bien je vous laisse. Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année, un bon Noël, des beaux cadeaux, une bonne nouvelle année, tout ce que vous voulez. Et bien évidemment, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.